Mes chers amis, mes frères et mes sœurs, bonsoir. C'est avec plaisir encore, Nouvelle Vision TV, retrouver la caillou pour nous capables de porter pour vous les conseils que nous avons pour vous. C'est fait, ça fait nous plaisir pour nous capables de remercier vous, en pile fanatique nous qui étaient ensemble avec nous. En pile fanatique nous qui prennent temps pour être capables de commenter le sujet que nous traitons. En plus, les fanatiques nous qui prennent le temps pour être capable d'abonner avec nous, pour partager ce message-là. Et nous remercions spécialement tout le monde qui a participé à la prière midi que nous faisons. Surtout les jeudis et vendredis, parce que c'est là que nous sommes plus capables, qui est approprié pour nous, pour le moment, pour nous capables de faire. Mais nous planifions pour nous prier midi à chaque jour. Mais pour le moment, nous faisons les jeudis et les vendredi. Nous disons merci à tout le monde. Nous contents de ce que vous montrez intéressé à travailler là. Et vous décidez de travailler ensemble avec nous, ça fait nous plaisir. Si vous êtes en train de pas lâcher. Et nous disons nous sommes partenaires. À travers Nouvelle Vision TV, ou capable de prêcher l'évangile. Ou capable de porter un conseil salutaire pour le monde. Ou capable de porter des conseils sur le plan social pour le monde. Pas oublier que nous disons que la chaîne Nouvelle Vision TV, nous traitons des sujets sociaux et spirituels. Nous demandons aux capables toujours abonner avec nous pour que nous soyons capables de continuer ce travail là. Like page là, abonnez, partagez, likez le groupe, distribuez le et nous connaissons quel que soit côté Zamoulaye ou voyez le Bali. Je dis encore, nous souhaitons bon sabbat à tout le monde. C'est le sabbat, nous souhaitons bon sabbat à tout le monde. Donc, si vous êtes content d'entendre nous. Et ça fait plaisir pour qu'on attende nous, pour que nous soyons capables de participer encore. Jeudi, nous voulons traiter un sujet qui est extrêmement important. Nous connaissons un peu le monde qui a mouru dans le désespoir. Il y a un peu le monde qui a un chagrin dans le cœur. Oui. Ou qui résout un chagrin dans le cœur. Pour que le monde soit prêt à aller. Pour que nous n'ayons pas d'espoir dans le monde comme ça. Nous avons raison à vivre dans le désespoir. Moi, essayer de poser tellement de questions. Est-ce que nous avons raison vraiment? Et effectivement, nous avons raison. Mais nous vont de l'autre côté, de l'autre bord. Nous ne pouvons pas raison nette. Parce que nous observons grand Dieu. Pour les gens qui n'ont pas bon Dieu dans la vie, ils peuvent vivre, ils sont capables de vivre dans le désespoir. Parce que le monde, ça, il va porter en rien de meilleur. Monde ça nous est toute bagaille pour aller de mal en pire. Nous est toute bagaille à tomber plate. Mais je dis, mais nous-mêmes qui est bon Dieu dans la vie, nous connaissons le retour de Jésus-Christ et notre espoir. Mais non seulement ça, mais nous cherchons une solution avec problème souffrance, avec problème maladie. Pendant que nous cherchons une solution avec problème souffrance et problème maladie, nous avons le pasteur Mark Finley qui écrit un livre qui titre L'espérance au milieu du chaos. L'espérance au milieu du chaos. Nous avons que le pasteur a traité un sujet qui est extrêmement important. Il faut râler sur le problème de souffrance. Et je voulais partager avec nous après-midi. Je voulais lire un court paragraphe là-dedans pour nous. Ou du moins, en deux paragraphes, c'est que je trouve que l'important, ça dépend de l'heure. Si l'heure est bonne, si l'heure n'est pas faite dans la guerre. Résoudre le problème de la souffrance. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui a intéressé tout le monde? Oui, je souffre. Je vais résoudre le problème. Ça. Mais comment je arriver à résoudre le problème de la souffrance? Comment je capable arriver à résoudre le problème grand goût? Résoudre problème maladie, résoudre problème tout ça qui a fait souffrir dans la vie. Et je vais vivre heureux, je vais vivre bien. Puis il ne faut pas oublier, semaine passée, nous avons parlé de bonheur, nous avons parlé de comment on peut vivre bien. Nous avons parlé de quel choix on peut faire pour marcher dans les droits chemins. Sur votre vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien, vous pouvez aller regarder la vidéo ça, qui est vraiment intéressant. Chers amis, pasteur a commencé pour le dire, la souffrance, la douleur, le chagrin,
et les larmes sont les plaies de notre monde. Douleur, chagrin, ces plaies monde-là, c'est ça monde-là l'hypothé. Des maladies cardiaques, le cancer et le diabète frappent des centaines de milliers de gens chaque année. Maladie cancer, diabète, moun qui fait sucre. Moun sa maladie sa, li frappe des centaines de milliers de personnes chaque année. Dans le service d'oncologie, des patients ap gade koyo kap affaibli par des opérations multiples. Patients ap gade koyo kap affaibli par la chimiothérapie et la radiologie. Et la radiothérapie. Ils ont perdu leurs cheveux, leur force et leur énergie. Et certains ont même perdu leur volonté de vivre. Des maladies de toutes sortes ravagent le corps. Chers amis, ça relève de la chimiothérapie. Lorsqu'on fait une opération cancer, il y a fait traitement ça pour vous. Et regarde le corps affaibli. Corps presque pas utile ou rien. Ou perdu toutes cheveux dans la tête ou. Ou vient déprimé. Et même chimiothérapie, ça y a barre pour traitement. C'est même les mêmes tout qui cause ou gagne pile l'autre maladie. Parce que chimiothérapie allait au barre au lit. Yo voulait aller manger cancer quand don là. Mais pendant qu'il a mangé cancer, il a mangé ça qui est bon, qui est bon encore là tout. Ça veut dire que ce n'est pas une solution qu'on gagne à 100%. C'est une souffrance pour l'humanité. Problème cancer, problème cardiaque, monde qui souffre de maladie, cœur. Nous avons que monde ça, et bien chaque année, il y a des centaines de milliers qui enregistrent monde qui tombe malade comme ça. Mais on t'a remis une solution à maladie ça. On t'a remis une solution à problème ça. Mais monde que n'a vive là, il pas une solution à problème maladie ya. Nous pas ignorer que médecin yo font pile effort. Médecin yo font pile travail. Il y a pile maladie yo bail une solution. Yo même arrivé éradiquer maladie ça dans la vie moun nan. Mais il y a pile l'autre. Il n'y a pas qu'à porter solution pour eux. Les gens sont obligés à vivre dans le désespoir. Les gens sont obligés à vivre dans le découragement. Les gens sont obligés à vivre comme si il n'y a pas aucun rien qui restait pour eux. La vie finie pour eux. Je dis à vous avec vous. Est-ce que nous sommes capables de dire la vie finie? Non. La raison pour que nous ne sommes pas capables de dire ça, parce que nous avons un grand Dieu qui nous a servi. Lorsque le docteur dit toute bagaille finie, mais bon Dieu, capable d'opérer un miracle dans la vie. Chimiothérapie à Baou, eh bien, docteur à Baou, l'a détruit, c'est vrai. Mais bon Dieu, avec parole, il y a une chimiothérapie. Que personne ne monte pas, il n'y a pas fini. Mais au contraire, il y a pour progresser. Chers amis, le monde ça a des potes pile douleur. La guerre en Ukraine, pour un pile douleur, pour un pile famille, même pour le monde là. De nos jours, nous avons même produits premières nécessités, tout a monté. Gasoline qui était contre vendre, $1, ça a un an de cela. Gasoline était vendre $1 aux États-Unis. Mais qu'on y a vendre plus que $4 gallon gaz là. Chers amis, est-ce que nous ne pouvons pas que le monde ça dérive en fin de vie? Nous ne pouvons pas que le monde ça dérive avec douleur, dérive avec chagrin, dérive avec tracas. Pays Ukraine qui était comme des dizaines de pays manger. Mais qu'on y a là aussi crasé pays sa plat. Est-ce que nous ne pouvons pas grand pile frère action qui pourrait souffrir? Les Ukrainiens souffrent. Il y a un côté priorité.
des milliers, des millions lagués sans abri. Chaque famille en Ukraine, au moins au perdu un membre de la famille. Il y a de l'eau dans les yeux. C'est un monde de catastrophe. C'est un monde qui a une catastrophe naturelle qui a frappé le tout. Mais c'est un monde qui a un pile problème. Je dis, qui a une solution au monde qui a sorti? Qui a une solution à finir? Vous avez résolu le problème de souffrance. Vous avez résolu le problème de grand goût. Vous avez résolu le problème de nudité. Le problème, ça, vous avez besoin de résoudre. Mais moi, je suis avec vous. Nous avons un effort pour nous faire. Il faut proclamer la bonne nouvelle du retour de Jésus-Christ. Et très bientôt, le Seigneur fera son apparition. Mais il dit une parole. Il dit, lorsque l'a venu, il faut que moi-même avec nous, pour que tout le monde nous fasse prêcher le monde. Pour que le monde capable de connaître cette vérité, ses amis absolus. Cette vérité absolue, c'est que très bientôt, notre Seigneur Jésus fera son apparition. Pas de douleur. Pas de grand coup, pas de la mort, pas de maladie, pas de guerre, pas de yon a déchiré l'autre, pas de monde qui a été sans abri encore. Jésus-Christ a pris yon, de quoi vivre avec nous des béatitudes sans fin. Mais c'est pour le monde qui fait la volonté du Seigneur. Mais il a dit encore, pour moi-même avec vous, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors on viendra là. Si nous besoin Jésus-Christ venir, ce besoin Jésus-Christ venir, allons commencer à prêcher l'évangile. Parce que Jésus-Christ pas venir sans que voisin là, cœur là, ne pas connaître la parole de Dieu. Jésus-Christ pas venir sans que monde qui n'a caminé dans sa voie chaque jour, qui pas jamais entendre parler de Jésus, qui pas jamais connait vérité ou même pour abaler. Moi ça veut dire moi avec vous, nous qui partissons pas nous pour nous jouer. Nous ne travaillons pas nous pour nous faire, pour que nous capables, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit capable de faire apparition sur cette terre de misère et de péché. Chers amis, il y a pile de souffrance, il y a pile de douleur, il y a pile de maladie. Je dis, moi et avec vous, nous avons besoin de faire ça qui dépend de nous pour nous capables de participer dans le salut des âmes. Chers amis, dans les vidéos à trop long. Mais il y a un pile bail que nous sommes capables de dire. C'est sûr que nous allons continuer avec un pile conseil que nous avons pour vous. Un pile bail qui a pile conseil qui a parlé de la souffrance de ce monde. Comment nous allons résoudre le problème de souffrance dans le monde ça? Nous allons continuer. Chers amis, c'est des amis ou frères, Enrique Bernard, pour vidéo après-midi. C'est sûr que nous avons rendez-vous pour une autre vidéo. Et nous sommes certains qu'on va partager la vidéo ça, ou à la page là, ou à faire commentaire. Et vous avez dit son passé. Que mon Dieu va bien. Vous avez souci pour l'endemain. Songez pour Dieu et mère. Ni qu'on ait tout besoin.